Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ok, je suis en train de rentrer de mon mardi, deuxième journée de travail de la semaine. Je suis trop contente en fait. J'ai eu une des classes que j'aime le plus, genre vraiment ils sont adorables. Je vais pleurer. Je lui ai envoyé un lien à mon père parce qu'il y a Taylor qui vient de mettre des photos dédicacées avec le vinyle sur son site. Et comme mon père il avait perdu un pari, je lui ai fait la blague, je lui ai envoyé « Oh regarde c'est trop bien et tout !» Il vient de m'envoyer ses faits, il a acheté le vinyle. Bref, putain je diverge. Tout ça pour dire que j'ai été invitée en date par mes élèves. En gros au début du cours ils m'ont dit « Oui on aimerait bien... te faire visiter Vienne, est-ce que tu voudrais un jour venir avec nous ? » Du coup on va se caler un après-midi, ils vont m'emmener dans Vienne. Je suis trop heureuse, je suis trop contente, ils sont géniaux et j'adore l'initiative et voilà, je les aime. Ok, je viens de rentrer, c'est un petit peu le rush parce que j'ai rendez-vous à 15h dans le centre, je vais prendre un café avec des assistants. J'ai hâte de rencontrer les assistants, dont l'assistant qui est dans mes deux écoles, donc ça va être cool. Par contre, voilà, j'adore. Bon, autant j'ai énormément de lumière dans mon appart, quand je dors, ça me saoule un peu. Mais là, enfin, genre la vue est incroyable, quoi. Genre, comment bien commencer la journée, wesh. Ok, hey, je vous ai pas dit, mais là, je vais rejoindre Clotilde. C'est la fille avec qui j'étais déjà allée au musée, au théâtre. Et on va terminer le musée Albertina. Je viens de voir une meuf avec le Sweet Daily Tell Mix du LM5 Tour. Oh mon dieu! J'ai regardé genre, waouh! Hey! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bah, j'ai eu cours du coup. Et en rentrant, j'ai acheté... It starts with us! Je viens de rentrer du pique-nique improvisé qu'on a fait avec... les autres assistants, c'était vraiment trop cool. Il y avait un des Américains qui avait ramené son accordéon et il a fait des chansons. Et attendez, mais il en a fait une en français. Vent de folie. Je me suis refait toute la chanson à l'aide. Voilà, il a fait Vent de folie à l'accordéon, c'était vraiment très stylé. Et il a fait aussi des chansons lui-même. Demain, c'est mon dernier jour de la semaine. Et la semaine prochaine, je serai en vacances. Voilà quoi, et puis je vais aller me faire à manger et... Ah oui, non, c'est ça que je... J'ai eu mon diplôme, je suis officiellement formatrice examinatrice du DELF. Coucou, il est 5h30, je viens de me réveiller, on est vendredi 21 octobre. Je suis trop excitée. Il y a l'album de Taylor Swift qui sort dans une demi-heure. Et en plus de ça, l'homme baisse lui-même la tête, ce qui fait qu'elle ne peut absolument pas voir son visage. Bonjour, mes cheveux sont toujours une catastrophe. Programme d'aujourd'hui. Ah déjà, on est le 22 octobre, ce qui signifie qu'hier, c'était Midnight Release Day. Quand je vous dis que j'ai écouté l'album vraiment quand il est sorti, genre à 6h j'étais dessus, à 6h40 je l'avais fini. Et je sors de mon immeuble et là il y a Karma qui se met et c'était la chanson que j'attendais le plus et je commence à l'écouter et il y a des larmes qui commencent à couler
Et j'étonne, non mais Lila, tu vas prendre le métro, évite de pleurer tout de suite, s'il te plaît. Et vraiment, pendant tout le trajet, j'ai que écouté Midnight. Quand je suis rentrée, j'ai que écouté Midnight aussi. Et vraiment, je retenais les larmes à chaque chanson. Je suis tellement heureuse, genre. Et j'arrive toujours pas à croire, putain, qu'on a un nouvel album de Tech. Bref, programme d'aujourd'hui. Bah, je sais pas trop. Ma mère m'avait envoyé un truc à faire et Clotilde m'avait dit qu'il était cool, donc au pire, j'irai là. Et puis surtout, j'ai aussi des cours à préparer, je m'en suis souvenue que ce matin. J'ai envie de me frapper, genre. Oh mon dieu. Regardez ça! C'était la dernière fois et la première fois que j'ai utilisé le fer à repasser que ma grand-mère m'a offert. J'ai oublié d'enlever l'eau après. Du coup, ça en a foutu partout. Donc attendez, mais j'espère que du coup, il n'y en a pas trop dans le. Ah ouais, quand même un petit peu. Oh putain, merde. Et du coup, bah le truc. Bah forcément, il a fui, quoi, bien sûr. De mon après-midi, j'ai été à la Wasserhaus. À chaque fois, je connais pas les noms des endroits où je vais. De toute façon, je viens de vous mettre les images. J'espère que vous avez kiffé. Et ensuite, je suis allée à Neubaugasse. C'est un quartier. Et je suis tombée sur une friperie. En sortant de la friperie, je reçois un message de Clotilde qui me dit « Meuf, je suis à Neubaugasse, est-ce que tu veux qu'on se prenne un café ?» J'étais genre, bah je suis aussi à Neubaugasse, viens on se prend un café. Du coup, bah on allait boire un verre, juste à côté quoi. C'était très cool. Non mais par contre, je viens d'arriver dans ma cuisine, c'était pas ça là tout à l'heure. C'était pas comme ça. Genre, quoi ? Putain, mais c'est quoi ce délire ? Faut que j'en parle à mes proprios, c'est pas normal. Ça s'allume encore, mais... Bonjour. Bonjour. Première fois que je me lève si tard, 8h30. Waouh. Hier, en rentrant, j'ai fait quoi ? J'ai un peu joué de la guitare, j'ai écrit une nouvelle chanson. Elle est trop bien. Andrea m'a aidée. J'aime trop quand on travaille ensemble, c'est vraiment les meilleurs moments. Après, avec Clémence, depuis avant-hier, on se dit « Ouais, faut trop qu'on s'appelle et tout, on a plein de trucs à se raconter. » Et du coup, on se dit, bon bah écoute, moi j'ai rien à faire ce soir, vas-y on s'appelle. 21h30, on s'appelle. On a passé 3 heures au téléphone. Je me suis couchée à 1h du matin, c'était pas prévu du tout. Mais vraiment, on avait trop de trucs à dire. Du coup, c'était trop cool. Je vous ai pas repris depuis trop longtemps, mais genre, cet après-midi, je suis sortie dans la ville. Et je rentre chez moi et genre, il y avait un Américain qui a dit genre, ouais, ce soir il y a une soirée quiz dans un bar. Donc venez si vous voulez, genre je réserve une table. Et je rentre chez moi et il dit, ah bah non, en fait, au final j'ai pas pu. Du coup, au départ c'était annulé. Et au final, à la dernière minute, il nous dit, il y a quelqu'un qui s'est désisté, on a une table. Donc j'y suis allée, c'était trop bien, donc on a fait le quiz. Et les gars, on a gagné, wesh. On a gagné un bon de 45 euros. Du coup, on va y retourner. J'ai trop hâte, c'est trop bien. Mais du coup, là, il est genre 22h30. Demain, je commence à 8h. Donc, je me réveille à 5h30. Je sens que ça va piquer. Parce que là, je sais que je vais pas aller me coucher avant 23h30, quoi. Thank you.
Je suis vraiment en train de vivre ma meilleure vie. Je suis au château de Schönbrunn. Et du coup, bah, voilà, je me balade un petit peu. Le parc est juste immense. Il y a de la forêt partout. Du coup, je me balade dans la forêt. Et c'est trop mignon parce qu'il y a plein d'écureuils partout. Du coup, je suis trop refaite. J'écoute forcément Midnight. Et voilà, je passe un très bon après-midi. De toute façon, vous avez plein de vidéos, vous verrez tout. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre. Hier, c'était Halloween, je n'ai rien fait. Mais c'était très cool. Hocus pocus à la maison, j'ai kiffé. Et puis là, je vais vous montrer, en fait, vous allez voir. Je vous dis rien, je vous spoil pas. Ok, du coup vous avez vu, je suis allée dans une serre à papillons avec une autre assistante que je viens de rencontrer du coup, et après on est allé prendre un café et un thé du coup, et c'était trop bien. Il y a vraiment un papillon, il est resté littéralement 5 minutes sur mon épaule, genre vraiment 5 minutes complètes sur mon épaule, c'était trop marrant, et genre j'ai marché et il bougeait pas, incroyable, mais c'était vraiment trop sympa. Et voilà quoi, je vais essayer de commencer à monter le vlog, il serait temps, ça fait 3 semaines que je filme et que je n'ai toujours pas commencé de monter. Je vais me prendre un bubble tea au Ichiban Café, thé. Et bah franchement, vachement bon. C'est la première fois que j'en prends un ici, mais en plus chaud aussi, c'est la première fois que je goûte. Oh non, le parc est fermé. Zut. Bon. Et franchement, c'est vachement bon cette histoire-là. C'est un creamy cheesecake, un truc comme ça. Bon, il y a un peu de lait dedans, je sais pas si je vais bien digérer, mais c'est bon. Du coup, voilà, je suis contente. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais retrouver une amie que j'ai déjà vue dimanche. Et là, on se retrouve et on va visiter des parcs. Parce que vraiment, mon goal, c'est de vous voir tous les parcs de Vienne. Donc là, aujourd'hui, c'est le dernier jour de vlog. Et demain, je reprends les cours. J'ai trop hâte. Mes vacances étaient sympas et tout. Mais ça me manque d'aller bosser. Et surtout que demain, je commence le gros projet que j'ai avec une de mes classes. J'ai vraiment trop hâte de commencer, voir s'ils vont aimer et tout. J'ai hâte, vraiment, j'ai extrêmement hâte. Je viens de rentrer de ma balade. On a vraiment beaucoup marché, mais c'était trop bien. On s'est posé après un resto en pleine forêt. Et voilà quoi, là je vais passer sur le montage. Et puis voilà. Soirée chill. Demain je reprends les cours. Du coup je finis le vlog sur ça. On finit le vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Tchuss !